Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Channel Richesse. Aujourd'hui, nous comptons là encore pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de un sujet qui est intéressant pour aujourd'hui, qui parlait de financial freedom. Nous allons parler de un millionnaire qui a une formule pour qui porte mon ordinaire ni moi ni ou qui joindre ça les financial freedom. Donc nous pourrons analyser ça avec Sami Finance aujourd'hui pour nous partager idées et pour nous bailler mon et meilleurs conseils et pour yo adopter. Aujourd'hui, moi content une fois encore pour m'avec Sami Finance pour nous partager idées nous dans un petit temps qui pas trop long et m'a salué ou ça qui passé. Bon nous en forme, bon aujourd'hui nous finir avec moi c'est Wapop. Non, mais je t'en rappelle ça qui s'est passé quand même pour mon yo. Je dis à ça que moi, qu'elle a toujours continué et baissé. Bon, malgré le moins baissé que hier, mais ma quête, là, elle a commencé à faire un petit surge de 2%. Elle a commencé son session, mais elle a appris à nous dire qu'elle a attrapé pour un baisse pour des prix. Et SP500, elle a clôturé pour un baisse. Donc, c'est pratiquement même pour ça sur tout le marché. Une raison, c'est parce que je dis officiellement aux États-Unis déclaré un bannissement officiel pour pétrole russe. En tout cas, ça concerne, je dis, nous devons parler de DVMZ. Bon, nous ne pas parler de monde, mais nous parler de une baby step pour vivre comme si ça a déclaré financial freedom, ou bien liberté financière. Je considère DVMZ comme si nous avions un gourou dans la question finance, tellement comme si nous faisons good investment, évidemment, les gérer et vie financière libre. Monsieur, je reconnais monsieur comme un nègre qui croit que pour un monde vivre une vie financière libre, il faut que monde soit dette free. Donc, depuis qu'il parle de DVMZ, il y a toujours un bon seul bagage dans la tête. C'est un nègre qui croit que you cannot reach financial freedom without with debt. Monsieur, tout ça. Ou pas qu'à gagner liberté financière si vous gagnez dette. Et c'est ça qui fait que il présente 7 baby steps. Si tout n'est pas gagné rapport avec la question de dette, mais en quelque sorte, il signifie idée pour ne pas gagner de dette de façon à ce que vous dégagez l'opération quotidienne et bien. On garde qui ça, cette étape ça, avant de discuter sur l'étape que nous avons abordée aujourd'hui. La première étape, c'est, et nous avons bien pour nous parler aujourd'hui, c'est épargner 1 000 $ pour commencer sa route, yon emergency, yon fonds d'urgence. Épargner, ou bien mettez 1 000 $ sur le côté pour commencer yon fonds d'urgence. Deuxième bail, il dit comme ça, pour payer tout de tout, on doit utiliser méthode snowball. Là, nous devons parler de méthode ça, et on apprend comment, comme si l'on utilise méthode snowball, là, comment lui permettre où. Ou bien dominer question gestion dette. Troisième étape, on s'est dit, pour épargner en 3 à 6 mois et dépenses pour l'urgence. Je vais m'expliquer ça. Et c'est comme si vous devez gagner en épargne qui a couvert 3 à 6 mois. Et dépenses ou qu'on fait de façon habituelle. Et puis, bon, en termes macro, c'est ça, en général, il y a les réserves net de change, réserves net de change qui s'allient. C'est en quantité l'argent ou bien qui permet de couvrir minimum 3 mois d'importation. On regarde la quatrième étape, là, je dis comme ça, investir 15% dans le revenu. Et ménage ou non, ça y est, les pre-tax retirement funds. Ça veut dire, dans le revenu qui vient avant, et non seulement le revenu qui vient avant taxe, et puis après ça, avant, qui, comme si avant question qui vient avec retraite. C'est qu'il y a comme ça, épargner pour payer l'université pour tout le monde. Et puis après ça, vous dites comme ça, sixième étape, vous dites comme ça, payer caillou. Et puis, c'est un métal plan comme ça, construire richesse, et puis après ça, bail. Après, le monde est créé, mais c'est ça très important. Et on a toujours gagné, mais il faut apprendre bail. Parce qu'il n'y a pas de plus mauvaise vertu que le bail. Okay. Et nous sommes ces bail 7 étapes. Nous gagnons bien pour nous. Pendant le jour, nous avons traité
etapi yon a yon chak. Men chou di ya, na fokus nou sou premye ya, an zè nan egle di, save $1,000 to start an emergency fund. Ou bien kreyol si, mette $1,000 sou kote pou komanse yon fond d'urjans. Ki sa pense de etap sa? E pi, esko sou utilize etap sa nan vou koman li te yede ou? E koman pense on moun dwe utilize etap sa? E pou li ameliori vi finansyel? Yon ap tande. Mon chèr, mwen, an komanseman fòm di moun, Dave Ramsey like, is one of my favorite guru. E ni pou mwen, se yon nan, jèlman li kon vin nan l'eglise ke mache, li fè seminè tout patou e pou l'ede moun kap soufri ak det soti nan pozisyon sa. E fòk nou di tout, tank ou Biblan di, le ou dwe yon moun ou se esklave. Donk, e bagay ki important le nou e le yon moun eseye chwazi e etap sa yo pou soti a det. Mpase, e le ou genyen $1,000, an di par exemple ou save $1,000. Psikolojikman, sa genyon gwo impak sou. An di par exemple ou son moun ki toujou ap genyen pil predikat, ou pa genyen an pil kob, men ou fè yon gwo efor ou semble $1,000. $1,000 sa ou genyen dwa fèl nimpòt jan. An di par exemple ou genyen dwa komanse. Save $100 chak mwa, ou bien ou genyen dwa genyen an pil bagay la kayou ki ou pa bejoun van yo. Donk jan, et mindset ki ou vin la den lan, sa ou genyen tan meto sou yon bon direksyon. Ou genyen dwa di, bon, si m save $1,000, sa ve di pa genyen mba ka fè. Donk m panse pou komanse yon plan pou soti nan det, e save $1,000 lan, li ba yon gran push. Donk, pou ki sa misye mande pou save $1,000 lan? Se porske son backup liye, pou objektif ko genyen, sou gon yon problem pou l pa kampil. An di pa ekzamp ou komanse, e ou di bon m ba suiv 7 baby step of Dave Ramsey, donk, e m vle komanse right now. E panon ou komanse save lan, ou genyen ou machinou, an di ba ekzamp machinou gon pan ka ou chou. Donk ou gen da di ket misye map save kob, mba gen kob an ba, donk $1,000 sa ou save lan, la permet ou ka jwen ou pon $200 ou peye machin nan la den. An di ba ekzamp ou gen kay, ou baye pa mache, an di rechou pa mache. Donk $1,000 sa, ou gen do apon $500 relon teknisyen ou ranjil. Ou an di yon baye kouran e baye hit la kay ou pa mache. $1,000 sa, li ba ou yon, li servi ou de yon backup pou pa toune a zero an. Kom, mpense se yon plan ki genyal. Donk, e non selman li chanje mindset ou, e pi tou utilite $1,000 sa, li vreman bon poske li permet ou pa toune a zero de objektif ke e ou te kom ou vle rive. E bon, se exactement. Men lot kesyon pou mwen, se men se petet kesyon. Pam, pou de ki sa, on dwe gen yon fond d'urjans. Poske pa gen yon ki di ke malè ap nesesèman yon moun. Pou del ki sou pensi yon moun supose gon fond d'urjans. Poske, e adyen, man pou moun de ka mouze, kèkè kèkè sa, e si sa ta yon batan jan moun d'urjans, eske $1,000 sa se bon $1,000 ki vin pare totalman infoutu, lò gade konteks e inflasyon, pa bliye ke lò gon kom son kont, kom ou te gen $1,000 te gen an 2000 lan, se pa men $1,000 sa li vini an 2022. Donk sou te gen $1,000, sou ki te $1,000 sou konti de 2000 a 2022, son kom ki pati an perdi 50% nan vale sa li vini sa li vini an 2000. Eske si moun te investi kom sa, eske li pata meyèr? Donk vwe kesyon se, pou deske sa on pa supose investi e fond d'urjans, pou deske sa fond d'urjans lan dwe rete son checking account. Donk, e mpense premièman se aksesibilite. Donk, son kob sou bejwen jodi an la right now ou ka itilize l. An di par ekzamp sou te investi kob sa. E
investissement gen sa yore le risk la dan, lwa vre? Donc, si yon investi $1,000, pa gan yon garanti ke se $1,000 la piye nan 15 jou. Et en plus, an di par exemple, si yon investi, $1,000 sa la monte, et $1,200. An di ou cash crop sa out. Pa bliye, sa vin fè ou pral paye 20% la dan pou pipiti an di so a viv nan Etats-Unis. Paske ou pran kob lan avant et un an, donc avantage taxe lan, ou vin perdu lan ko. Et puis, et risk lan pa se se le pi gros problem, paske ou gen doa investi kob lan, li diminue a 10%. Et kob sa, eske si m bejwen jodi an right now, eske m ap jwenn kob sa. Donc, accessibilité et moins risk, se yon nan bagay m pense ke ou e li important ke ou gen fond d'urgence sa. Pa bliye yo rele le fond d'urgence ou pa konn ki le urgence nan ap vini. C'est vrai. Si ou pa investi li pa vou menm valeur a, mais pa bliye tout. C'est yon et comme si son lavage ou a fait pou al commencer yon nouveau ou menm. Ça veut dire $1,000 ça c'est pour $1,000 qui parle affecte vraiment parce que là nous rivé puis devant là n'a pas parler dans 4e step là ou est côté le quoi mando pour investir 15% dans cob que ou gagner avant même au payer taxe. Ça veut dire me penser et cob ça pour accès aux besoins lui et là fini tout psychologiquement vle dire un bagage psychologiquement vle dire que ou ca économiser et puis tout ka changer façon que va dépenser. Bah c'est tout avantage ça qui gagne pour pas mettre l'investissement pour qu'un bill non banque pour joindre plus rapide sous besoin. Yeah, bah c'est exact. Bah c'est son question et vraiment quand tu réponds ça c'est que on fond d'urgence. Ça fait on fond d'urgence pour être un fond qui immobile, c'est parce que urgence là les livrer fuck ou faut qu'on apporte une réponse à clé direct. Imaginons que et bon, ma pour exemple qu'il y a avec cryptocurrency ou besoin ou ta gain tout comme dans crypto monnaie et puis ça qui venir faut qu'on urgence ma qu'on fait un accident besoin courir payer en fait clé avec l'hôpital. Prenez à la le temps comme vous voyez comme ça pour changer pour ça qu'après pratiquement prend une ou deux jours. Donc là ça arrive que pour pas répondre efficacement avec problème. Et puis si l'autre bagage qui gagne, tu imagines nous sommes investi comme ça et puis malheureusement non l'on investi comme ça, c'était non l'on fin gagne urgence, c'est les ça fonce et investissement ça n'est pas rentable. Donc ça une fois une ça c'est font double perte déjà que déjà urgence là déjà urgence là c'est son bagage qui négatif. Il y a surtout et puis perte dans tout qui est pas bon, moi c'est que font urgence là, lui doit être non valeur stable. Qui est immobile de façon à ce que pour répondre avec lui efficacement. Yeah, et pas donc, et là bas j'ajoute un bagage. L'on investit encore. Premièrement, ça dit c'est que ou pas un problème pour perdre du problème. Résolve de là. Exactement. Donc, oui. Si on l'investit, si investit on l'investit, ou gain risque pour comme ça perdu plus que 70-90%. Et mwen dwa pou ekzanp mwen investi nan yon stok et apen et problème inflation arrive stok la desan a plus que 60%. Donc et si m pa pepe di dawe di se yon kòb m pa gen problème dou m pa pepe di donc m pa vann donc gen sa rele paper loss donc le fait que m pa vann m pa perdi vre. Parce que stock là en ligne pour monter exactement l'avenir. Donc si on cop moi t'ai besoin right away, donc son cop totalement d'a fait un vraiment real loss. Et donc moi c'est exactement ça. Et l'important pour tout le monde parce que ça qui gagne c'est que Jamba l'a dit en créole, c'est que malais pas gain klaxon. Exactement. Le fait que malais pas gagne. Faut moun yo wè ki différence ki gen. Bon, peut-être n'a mete ti mieux ça ki différence ki gen pour gagner 3 mois
et pour gagner un épargne qui évalue à 3 mois de dépenses et habituel you et puis font du reste en bon fait pour ce moment c'est faut nous parler sur ça tout on peut parler de l'autre step là ou bien on a quitté le pont l'autre semaine non juste parce que bon on quitte ça pour parce que nous devons aller nous de font du reste là les nous arrivons dans l'étape ça n'a fait différence il nous a 3 mois épargne comme si dépenses usuelles you par rapport avec c'est exactement pour Ebdol qui dit malin pas qu'un klaxon donc ça a une vécu automatiquement et en malin il faut pour en mesure pour répondre directement avec et malheur donc c'est ça qu'on dit ça existe par contre et nous n'avons pas que des dépenses sont usées pas nécessairement liées avec une question d'urgence. Bon, je dis à nous parler de fonds d'urgence là qui sont montants et forfaiteur qui évalue à 1000 dollars. Bon, ça va dépendre. Moi, c'est que pour moi-même, ça c'est celle que j'ai voté avec. Moi, c'est que fonds d'urgence là, il faut rayer dépendamment de qui niveau de vie. Moi, imaginons qu'on a fait 1200 dollars. Est-ce que mon sac a créé un fonds d'urgence à 1000 dollars? Parce que si on monte, moi, c'est que le fonds, par contre, ce qui est écrit et ce qui est basé, et des vrais dit, placer fonds d'urgence là avec 1000 dollars. Est-ce que je regarde que tout coup, je regarde si je regarde que je fais pour garder le tout problème qui arrive en urgence, si couille tourne autour de 1000 dollars, bon, ça nous pas connaît. Parce que si l'estime, bon, je regarde si son estimation le fait côté que le dit, donc tout ça qui arrive en urgence, pas à supposer dépasser 1000 dollars. Donc, je regarde si c'est comme ça le fait calcul là, mais moi, je pense que fonds d'urgence là, en toute logique, l'état supposé fonction de revenu mon là, fonction de activité mon dans vie réelle et puis fonction tout de qui risque mon à faire face dans vie. Par exemple un monde qui a travaillé dans secteur minier par exemple dans fracking moi c'est que mon ça lui plus exposé dans danger ça fait que mon ça supposé vont fonds d'urgence qui beaucoup plus élevé un monde qui dans question trafic. Par exemple, si mon truck là, frontline worker, moi c'est que frontline worker, fonds d'urgence par eux, et ta sécurité beaucoup plus élevé comparativement avec le risque que a fait face. Par contre, un monde qui pas nécessairement, bon, ça me dire que ça arrive, bon, on a bien essayé des monde qui pas nécessairement frontline worker, ça arrive urgence, il prend plus comme, et qu'un frontline worker, dépendamment de. Et niveau de vie mon là et ça fait moi penser que seule critique de gain droit et by the way par rapport avec 1000 dollars c'est que 1000 dollars pas la supposé et moi penser que c'est pas 1000 faut du sens à plus lié avec qui risque et puis qui niveau de vie mon a gagné et puis qui j'ai en train de vivre lié et moi c'est ça fonds d'urgence ça supposé fonctionner. Et bon, moi pour me faire avocat du diable, m'te ka di par exemple, et ça faut les nous arriver puis devant nous pensons nous t'ai commencé parler des budgets. Donc c'est important ça qui gagne dans budget, on dit par exemple et j'en prends exemple frontline workers. Je. Donc une bagaille pas oublier ou gagne droit gagne moyen soit toucher 1000 dollars par exemple. Gan pile et bénéfice qu'on a gagné par exemple on dit par exemple comme wap touché à li en bas en série de poverty level donc ça permet que ou qualifier pour une série de assurance on dit par exemple si on mon a touché moins de on dit 35 000 dollars par année ou gen petit encore donc gen on fort chance que ou ka appliquer pour Medicaid. Donc si moun za vin gon problème santé, j'en prends exemple moun ki nan bay fracking yo. Donc yo gen doit utiliser Medicaid ça pour yo aller l'hôpital. On dit par exemple c'est Obamacare ou qualifié. Donc par mois ou gen doit payer li pa pan pile cob, par exemple ou bien l'autre assurance ou gen doit chercher qui pa pan pile cob. Donc ça yo doit entrer dans budget ou. Donc et une bagarre me penser tout pour répondre à la question tout à l'heure et pour qui ça c'est 1000 dollars choisi me penser c'est parce que problème qui plus courant yo c'est problème ça yo et donc li pas me penser pas gagner
on exactitude là-dedans qui dit exactement c'est ça pour lier, mais pour un monde qui chargé dette, donc penser conserver travail, conserver $1,000, c'est un gros exploit que lié. Très bien. Et bon, nous, comme nous pas long, je dis, c'est la rallonge discussion ça nos 3 mois dépenses là de façon à ce que pour nous comprendre nous sommes d'urgence notion et mettez 3 mois et pas de côté pour dépenser plusieurs lieux. Donc n'a venir sous discussion ça de façon à ce que pour nous puis bien faire pour nous comprendre baby step de MZE. Donc je dis à c'est un plaisir, je dis à nos fonciers qui a assez animé. Parce que je ne suis pas nécessairement d'accord avec des gens qui me disent « Bon, bref, c'est mon égout, toi, mais... » Moi, je n'y approche pas. Même approche pas, c'est une richesse à partir de valeur. Donc, pour moi, je ne suis pas nécessairement ouais, dette comme... Moi, dette sont compliquées. Même si ça me les bad dette, que ça me les good dette. Mm-hmm. Donc, pour moi, on dette comme si qui n'est pas créé à 7, sont bad dette. Et puis, on dette qui crée à 7, et je considère comme une good dette. Pi gros problème là c'est pas gain dette, c'est apprendre utiliser des trucs pour créer actif. Donc c'est ça. Bon, pas nécessairement d'accord avec des gens, mais ça va empêcher tout que le travail là c'est vraiment ce travail qui est excellent. En pile monde utilise une vie et il ba en pile résultat. Et donc moi c'est que li important pour nous partager idée Dieu avec mon Dieu de façon à ce que pour moi le vivre en pile bon vie et financier. Donc c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous dans live là. Bon, dans petit coup de session ça, nous souhaitons que vous preniez plaisir à regarder cette vidéo ça et pas négliger partager avec famille amis de façon à ce que et pour plus monde qui a bénéficié de information ça. Donc merci beaucoup pour votre participation dans cette session et puis n'a parlé de demain après deuxième étape là, mais n'a toujours fait ça, n'a toujours rappelé tout step dans commencement pour nous aborder grand step qui intéresse nous pour l'avenir. Donc ciao à la prochaine.